215-237, c'est donc le score à battre pour les Chinoises. Kim Ji-hoon pour la Corée du Sud. C'est le deuxième de cette finale du cheval d'arçon. Allez, c'est parti. Travail sur les poignets, russe sur les poignets, aïe aïe aïe, c'est la chute. Eh oui, deuxième chute. Là aussi, on peut se rendre compte de toute la difficulté, peut-être la tension également, parce que la médaille est possible. Il avait reçu une très bonne note lors des qualifications, 15-500. Mais là, il ne pourra pas faire aussi bien. Et ses espoirs de médaille viennent sans doute de s'envoler. Ouais, il est déçu. On a vu sa main qui a glissé un tout petit peu sur la poignée. On va revoir ça au ralenti. Ça vous montrera bien la précision qu'il faut avoir pour rester sur le cheval. Et là, c'est dur de repartir. Allez, Wu Gognan est là, bah bien sûr, complètement déstabilisé, déçu. On l'a vu très déçu lors de sa première chute. Et là, maintenant, bah, c'est terminé. Et oui, grosse, grosse déception. Il y a quelques instants, il rêvait de médaille. Il devra sans doute se contenter de la dernière place de cette finale. Alors, il a 30 secondes hein, pour remonter sur la grès. Je l'avais dit, hein, c'est très serré. Les 8 finalistes se tiennent en un point. Allez, tout de même une belle balade. Un beau Shivado vers l'avant et vers l'arrière. Assez dommage parce qu'il a de la classe quand même. Voilà, forcément. Je peux vous dire que c'est dur hein, de tomber deux fois. On a les bras qui se tétanisent deux fois plus vite. Voilà, la sortie à la TR. Là aussi, c'est une troisième chute pour ce gymnaste qui avait l'air pourtant très talentueux, très propre. Eh bien, c'est une occasion manquée pour le Coréen. On va revoir peut-être. Voilà, c'est ici. Voilà, le doigt à côté. Et là, ça enlève toute forme d'appui. Et c'est très difficile de se rattraper. Ça permet aussi, avec ces excellents ralentis, de comprendre toute la difficulté de cet exercice. Et tout se joue au millimètre. Voilà, c'est vraiment à la fois de la force et de la précision. Et la note, bien sûr, va sanctionner ces deux grosses fautes. Trois chutes, trois fois 8 dixièmes de faute, plus les difficultés qui ne vont pas être comptabilisées. Ouais, on va être aux alentours des 13 et quelques, sans doute. Je suis même un peu généreux. 12-500 pour Kim Ji-hoon, pour l'instant deuxième.